I wanna move you. La Coupe des Champions qui rentre dans une nouvelle phase aujourd'hui, Franck. Oui, nous avons rendez-vous avec un huitième de finale et c'est le début des matchs à élimination directe. On espère que la rencontre sera à la hauteur de l'enjeu. Nous allons suivre l'opposition entre l'AC Ajaccio et le FC Séville. L'AC Ajaccio, formation qui fait un bon résultat à l'extérieur. On reste sur le victoire lors de son dernier match contre Paris Saint-Germain. Victoire 2-0. Le français rugby, le match d'aujourd'hui, je le vois malheureusement battu par les adversaires. Sur ce tacle glissé. Placer une attaque. Ah oui, le bon centre dans la surface. Et le ballon rendu à l'adversaire finalement. Le ballon sorti, ce sera une touche pour les Sévillans. Daniel Carissé, Arenas. Très propre, une belle interception. Johan Cabaye. Un beau duel en perspective. Vitolo. Trifoviac. Thank you.
Karim Hubert. Il va pouvoir jouer à touche. Benjamin André. Delmaïs. Propre ça. Alex. Il perd le ballon, mais ça joue. Vitolo. Allez, ne pas gâcher cette occasion. Il a du soutien. Le ballon récupéré sur cette intervention. Ben Hubert. Et votre sentiment sur ce qu'il peut apporter dans ce match, Franck? C'est le genre d'attaquant que les milieux adorent. Donc, toujours à essayer de se démarquer, à apporter des solutions. Un tel effort sur cette interception, c'est impeccable. Ben Hubert. Avec ce corner qui est concédé. Bonne intervention de la tête du défenseur. Et en passe. Oh, le bout de tir. Ouais, intervention du gardien qui repousse. Voilà, touche longue, touche courte. Ouais, bien coupé par le défenseur. Il ne peut empêcher le ballon de sortir. Kovac, Johan Cabaye. Johan Cabaye. Il n'y a plus que le gardien. Ouais, elle est bien parti cette frappe. Une tentative de reprise de volée. Oh, quel bien jeu. Allez, on se débarrasse. Johan Cabaye.
Romagnoli. La défense qui récupère. On s'approche. Dans ce match, toujours pas de but, 0-0. Chers supporters, pour que le football reste une fête, nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de jeter des objets sur la pelouse et de rentrer dans l'enceinte du stade avec des fumigènes. Merci. On va pouvoir repartir pour 45 minutes. L'arbitre a sifflé, que va-t-il faire? Et faute ou pas faute, à vous de juger. Mais pour l'arbitre, non seulement il y avait faute, mais ça valait même un jeu. Oui, je pense que l'arbitre tient à se faire respecter, à tenir les joueurs, ça me paraît normal. Oh, le bon centre dans la surface. Oh, il éloigne finalement le danger. Il faut centrer. Benjamin André. Ah, il n'a pas gâché cette occasion. Il a du soutien. Johan Cabaye. Un joli tacle. Va tomber, non, il se rattrape. Krikoviak, il vient en contact. Benyeder. À trop traîner, il fallait intervenir. Et ballon rendu à l'adversaire. Il peut le gagner ce match, alors il tente, il a peut-être raison. Afin de faciliter la circulation dans le pavé, nous vous prions de garder vos écouteurs
il vient lui prendre ce ballon. Ben Yedder. L'entraîneur de l'équipe à domicile qui va faire rentrer du 109. Ibora. Et vers Banega. Ah, c'est très bien taclé ça. Il sait qu'il a du soutien. Vitolo. Koch. Tête. Il vient placer une tête à prendre. Alors que le réalisateur nous propose de revoir ce but du FC Séville. Sur le côté droit, avec un centre adressé au millimètre, très régal pour le buteur, tout paraît si simple. J'ai l'impression que la réduction coéquipier était démarquée. Là, la tête est superbe et le ballon finit au fond du filet. Changement de joueur. Juste là. On peut voir son équipe égalisée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Changement à venir. Le joueur qui sort, le réalisateur en profite pour remonter son but. Et ça fait 1-0 au tableau d'affichage. Et il le passe. Ah, attention, la frappe. Tire qui est contré. Il ne peut s'en saisir, ça sort. Et il concède le corner. D'espérer marquer de si loin. Attaque. Mathis. Oui, le bon tacle. Centre, il y avait mieux à faire sur ce centre, c'est vraiment du petit là pour les défenseurs. Et les défenseurs qui se... Oh, quelle occasion! C'est vrai, la défense a eu chaud. Le ballon. Mathis. Ouais, je le tire. Intelligent, très réussi, il récupère le ballon. Un beau duel en perspective. Oh, c'est bien parti. Il n'est pas terminé, attention.
très intéressante. On sent que ça peut basculer à tout moment. Attaque. Ça s'approche. Et il centre. Un centre un petit peu raté finalement. Non, ce ne sera pas ce coup-ci qu'il se fera déborder. C'est peut-être une des dernières occasions pour eux, contenter d'égaliser. Sur cette action, avec caméra suivante, regardez le gardien qui monte pour tenter sa chance. Bon arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. L'arbitre vient de siffler la fin de ce match à l'instant sur ce score de 1-0. Nous vous recommandons de sortir calmement. Un match aller mal négocié, ils se sont inclinés, c'est vrai. Maintenant, tout n'est pas perdu, il reste le match retour. D'ici là, il va falloir se remobiliser. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Je vous dis à très bientôt. Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day can't put out, carve your name into those shining stars. He said go